Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est un réel plaisir, je vous assure, d'être encore devant vous dans nos studios où nous allons vous présenter encore un nouveau numéro dont nous allons parler de ce que nous avions parlé hier sur l'émission qui était live. Donc nous étions live sur Facebook hier. Mais malheureusement, la technique nous a essayé un peu de nous compliquer. Tout au début de l'émission, les sons n'étaient pas bien. Nous avons réussi tous les complaints, tout ce que vous nous aviez fait remarquer. Mais j'espère que dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons essayer un peu de reprendre, c'est-à-dire parler de la reconstruction, la nouvelle république que nous allons commencer à bâtir. Parce que Tout ce qui se passe pour le moment en République démocratique du Congo, ici à Contact Pro Live, nous n'en faisons pas foi, donc nous ne croyons pas que cela va changer quelque chose dans notre pays. Pourquoi? Parce que, disons dans le jargon, que faire la même chose et espérer un résultat différent, c'est perdre le temps. Donc, nous sommes en train de penser que les autres ont très mal fait, et que c'est nous qui pouvons faire le mieux les choses, sans toutefois changer le paradigme, en ayant toutes les mêmes choses qu'ils faisaient. Donc, c'est comme si les gens se sont dit, ôte-toi que je m'y mette. Donc, pensant que moi, quand je viendrai faire la même chose, dans ce même paradigme-là, je pourrais avoir un autre résultat. Bandeko, tout ce que nous faisons aujourd'hui, dans ce système aujourd'hui, dans ce paradigme, aujourd'hui, nous l'avons commencé à faire depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans. Ça n'a pas produit aucun résultat. Même si ça avait produit un résultat au début, lorsque Mobutu arrivait au pouvoir. Parce que moi, je me dis, nous sommes en train de perpétuer une certaine dictature. Même si nous disons que nous allons nous tremper dans la démocratie, mais c'est pratiquement de la dictature que nous sommes en train de faire. Parce que le pouvoir est concentré dans la main d'une seule personne. Et je vais vous le prouver aujourd'hui dans cette émission. Même si nous serons un peu courts, mais j'essaierai de mon mieux pour vous expliquer que non. Nous sommes toujours en pleine dictature, mais sous une autre forme. Et le pays est toujours dirigé par Kinshasa. Le pouvoir est entre les mains d'une seule personne. Mutuana kakande mutu akokiko sala makamu. On vous attendrait dans toute l'émission. On ne cite que la seule personne, le nom de ce monsieur-là, le nom du président de la République. Et ce n'est que lui à qui on recourt. Tout ce qui ne marche pas et tombe sur sa tête. Donc, nous allons en parler aujourd'hui, comment reconstruire un nouveau pays, un nouveau Congo. Et quelles sont les tactiques, comment nous allons nous y prendre pour reconstruire un nouveau Congo. Avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Ituri, plus de 300 enfants recrutés dans les groupes armés. Et puis, Tanganyika, la ville de Kalemie plongée dans le noir. On va sur actualité.cd. RDC, nouvelle attaque des ADF près de Nobili à la frontière de l'Angola. Une histoire de l'UDPEST, donc la réaction de l'UDPEST. Le directoire n'a pas pour mission la gestion quotidienne du parti, mais il n'a qu'un seul ordre du jour, l'élection du nouveau président, explique Augustin Kabuya. Ituri, trois civils tués et des maisons incendiées par les ADF à Makumu. Congo profond, donc ici environnement crêpe, émergence et l'IPASICO sensibilise les écoliers à la protection de l'environnement et de l'enseignement de bons gestes. Talent, zoom sur Steve Burkhalter Samba, dessinateur de voitures de l'X. On va sur 7 sur 7, Ouganda tête à tête entre Tshisekedi Museveni et ce samedi à Oyo. Et puis
Kinshasa, le ministre Jindai a remis des machines à coudre et accessoires au maquillage aux femmes pour développer leur métier. On va sur Radio Okapi pour terminer. Sud Kivu, plus de 470 enfants recrutés dans les groupes armés en 2021. Et puis, il y a 8 ans que mourait King Kester et Menea. Merci. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, l'actualité, vous l'avez entendu, comment, avec les grandes lignes, les soldats, le militaire qui font les parades à Kinshasa pour montrer un peu le muscle, l'arrestation de M. François Béa, et puis toutes ces histoires-là, ça ne nous concerne absolument à rien. Ça ne nous concerne, ici à Contact Pro Live, ça ne nous dit absolument rien. Ce qui se passe à Kinshasa pour le moment, ce qui se passe en République pour le moment. Ce qui nous concerne, c'est la reconstruction de notre pays. Nous avions dit que le pays demande un nouveau souffle. Il faudrait que nous commençons à faire les choses autrement. Et ce que nous avions commencé à dire ici, c'était le programme des 145 territoires. Pourquoi d'abord les 145 territoires ? Parce que le paradigme actuel, nous avons vu qu'il est difficile d'obtenir un consensus. Et ça passe pour Batou Bayokana, pour Nanini. Parce que ma blessure est belée. Tout le monde qui viendra au pouvoir, Tozako soupçonné que Azaka Moïbi, à cause de la Kaka Moïbi dans le système Oyo. Bandeko, premier point, tokolingatolo belango nanu awo ezali kambo ya tribalisme, tribu, régionalisme, région. Likambo oyo tozoloba ya tribalisme eza vice. Personne ne peut le souhaiter dans quel système, na système oyo. Le tribalisme vient dans un système où les gens cherchent à se... En fait, le tribalisme, c'est un système de protection. Batubaza ko protéger ba pouvoir na bango, ba position na bango, na kati ya bokonzio baza nango. C'est ça le tribalisme. Ezako sala neni, ozo recruter pembeni na yo, bandeko na yo, oya tribu na yo. Bandeko oyo koyebi ke bakoki kozala loyal na yo. C'est ça le tribalisme. Ezaka kanandenge, tango za mokonzi, Ozako recruter batu oyo ya obedience tribale na yo. Pourquoi? Parce que batu wana bakoki ko trahir yo te. C'est ça le tribalisme. Baza la mabe, baza la bien, mais... C'est ça le tribalisme. Est-ce que tokosili sa makambo ba tribu na mboka na biso? Jamais. Est-ce que lelo oyo, un mukusu, akoki ko kende ko tonga na mbandaka? Nous avions commencé cette... paradigme nanwana natango wa mubutu ke noto tie batunyo surtout batubiso nyo to bengani ba congolais d'abord on faisait passer l'unitarisme biso nyo ba na tata moko tout ça mais et comment ki na apogé nango pourquoi parce que système ango échoua ki na yango pourquoi les gens n'ont pas au lieu de faire passer la méritocratie avant na kati ya bomoko wana Tokoma kisiko batu nyoso tu baza ko protéger ba pouvoir na bango. Donc le pays les dirigeants cherchaient à se protéger en mettant tout aux alentours de na ba département ba tie kaka batu na bango et comment kisiko nde tribalisme yango wana. Mais maintenant nous dans la 4e République tolobi nini bande ko wana za ba blessure o za na kati ya Congo na kati ya mitema batu ba congolais les congolais ont ces blessures là ya koloba keno tout mutu nyoso o ya koya na bokonzi akoluka a protéger bokonzi wana na bande ko nae or dans la République naissante que nous voulons implémenter nous devons reconnaître d'abord qui est qui. Bon, mon aki na système unitaire awa, nous n'avons pas eu de carte d'identité. Et ça passe. Parce que ceux qui ont l'objet de la carte d'identité, ils ont l'objet de parce que on ne veut plus de cette histoire-là, koloba ke non ba tribu ba toyebana. Na kati ya désordre oyo, les gens privilègent ba intérêt na bango privé. Tokoki ko sala likamu biso mo côté ensemble tokoki ko tongate mutu na mutu azoluka ami tongela atonga ndaku na ya somba mutu kanae atonge pa na bango asala bo c'est pour cela que c'est né le tribalisme
Or, togoyiko kende nengi wana li susute. Nous devons arrêter avec cette histoire-là. Méthode des anini. Nani, kinin nango zanini. Quels sont les médicaments pour cette histoire-là? C'est changer le paradigme. Recommencer le tout à zéro dans un monde où tout le monde va connaître qui fait quoi, comment nous contrôlons le pays, c'est tout ce qui peut nous sauver pour l'instant. Pour l'instant, nous devons revoir nos textes. Bah, texte nabissons, il faut revoir en gros. Comment est-ce que nos textes peuvent être possibles à cause alaka et alaka applicables? Comment est-ce que nous pouvons appliquer nos textes? Comment est-ce que Togo banda kozala na ba consensus et puis na kosa la confiance na biso biso munyo so ba congolais? Quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre en place ou qu'on redonne biso lisusu to banda ko trust ba congolais? Parce que les congolais ne se croient plus. Même à tabiso a tozana étranger awa soko kotika place oyebi ke baza 3-4 congolais tokobomba naka balinga te ke ngana yebana na za congolais ou soit batu bako combattre ngai. Tout le monde a linga kaza la ngai nde na zala ngai nde na kosala boye. C'est ça qui a tué notre pays. Et ce qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est de connaître tout le monde dans la République démocratique du Congo. Donc, mutu nyonso oyo to akoya na programme ya koloba ke ngai nde na kozala président mais na kozala na modèle oyo to yeba kaka ke modèle oyo bandeko échoua ki na yango. Nous devons chercher d'autres solutions. Solution eza nini? Eza ko reconnaître mutu na kati ya milieu na ye na pouvoir oyo azo détenir na mabele na ye. C'est ainsi que nous sommes dit. Bandeko, biso atoloba ki na contact pro life bo, tolobi solution eza nini? Solution eza ko dissoudre parlement, eza ko dissoudre sénat, eza ko dissoudre abolir d'abord la constitution oyo. Toko toza ko pesa yango, toko sala yango nene, toko pesa yango jusqu'en 2023 que constitution oyo va prendre fin en 2023. Mais na 2023, na ndenge toko banda une nouvelle république oyo congolais a kozala à mesure ya kozala conscient que mboka oyeza mboka na ye, il est l'acteur principal oyo ya kobongisa mboka oyo. Les congolais partout où a kozala, il faut yeba ke non ngai nde mutu naza ezo dépendre. Le développement de ce pays ne dépendra plus de l'Europe ni quoi que ce soit, ezo dépendre na ngai et que tous les congolais puissent a koma place wana. Mais toko koma place wana ndenge nini? Awa toza na chema mibale. Batu msusu baza koloba non révolution populaire. Moi je ne suis pas pour cette histoire là. Révolution populaire, et je vous dirai pourquoi. Batu msusu balobi non il faut kobeta tiseke du coup d'état. Après coup d'état wana nde toko yebaka ke non ba miyibi bakeyi. Moi, je ne suis toujours pas de cet avis-là. Ba vie wanande ezali eza koloba manase se ama ya ba mesa. Ba tumsu alobino révolution populaire. Yo congolais nyonso fa telema to barenze la na monguna. Monguna za nani? Qui est le monguna du congolais? Parce que nous ne savons même pas déterminer le monguna du congolais. La preuve en est que regardez comment nous sommes en train de nous battre pour terminer la guerre à l'est et tout aux hostilités à Yangote. Alors, ngai na loba ki bwana lobi, moi je soutiens le président de la République actuel. Pourquoi? Parce que actuellement c'est lui qui a le pouvoir, tout le pouvoir entre ses mains. Il doit être conscient que même pouvoir o nazana ngona maboko na kokiko bongisa mboka oyo nga mokote. Tous, pourquoi est-ce que nous disons que mokonzi azana batu mabe pembeni naye? Parce que tout le monde est en train de le remettre na marmite wana ya unitarisme en lui faisant voir que nos présidents il faut zala na mbongo ata soki ezali ko organiser ba élection pouvoir pour le pouvoir et comme mabiso pe eloko mon côté okoki ko ya ko sala dictature o yibi pe ba élection en 2023 situation ekotika la kaka ndenge moko. Si tu ne fais pas ce qui est différent de ce que nous faisons tous les jours. Système oyo essayer la kisi ba mérite na ngo essayer la kisi ba biloko na ngo et souki. Mais nous les Congolais aussi, nous devons mettre en tête que jamais
likambo oyo ezo salema na Porto bien ezo salema na France ekoki kozala calqué na modèle na biso te. Nous devons chercher un modèle propre à nous les Congolais que nous maîtrisons nous-mêmes au eco et kozala applicable na biso ba Congolais. Na buzoba na biso, na boyebi na biso, mais ezala propre à notre culture, à notre Congo, à notre Congo. Ezala te que ezala modèle États-Unis, ezala modèle ananité. Mais c'est quoi ce modèle là? C'est la rétrocession du pouvoir à ceux qui en ont les droits. À qui des droits? Banani yango ba Congolais. Organiser comment, c'est ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui et puis dans l'émission Oekolanda. Comment est-ce que nous allons réorganiser la base? Comment est-ce que nous allons nous y parvenir? Il y a comment ainsi qu'on a Kolobakeno, to implémenter système ya sika. Congo ya sika, to ko implémenter yango ndenge nini? Quels sont les garde-fous que nous devons prendre pour que to implémenter système ya sika? Ainsi que nous, ici à Contact Pro Live, nous avons réfléchi à ce que nous... Projet à 145 territoires. Oyo eko amené batu. Dans un premier temps, ezapo na ko récupérer d'abord pouvoir na katia banani, na katia ba territoire. Le pouvoir là doit être exercé par le peuple. C'est-à-dire quoi? Le peuple se choisira au niveau de 10 territoires, ba ko se choisir mukonzi. Tango basi bazui consensus, ba to bazo vivre na katia ba territoire wana bazui consensus ya koloba ke non. Awa na territoire na biso, nous avons été 400 ou 500 na tango tozo sala ba conférence na biso ya ba état de lié. Na katia ba état de lié awa na katia ba conférence o, to mona ki ke non. To tie ba profil na biso tolobi administrateur fo azala bo e fo sala bo e fo ezala il fo ezala a base ya méritocratie ba tuba yokani ba lobite to ko iko choisir mutu kaka pamba pamba bo ete. Les anciens politiciens nous ont montré leurs limites. Voici to ko pouvoir et administrateur de territoire yango auto définir yango akoki ko sala bo ete akoki ko nomé ba touté akoki ko sala bo ete. Nous devons définir ça au niveau à territoire bandeko. L'administrateur de territoire ne peut pas être là pour nommer les gens té pouvoir nae suki wapi pouvoir nae bandi wapi akosala nini kelele aye kosala ni musala nini oyo tokoki ko banda ko draft tokoki ko dessinaka na kati ya ba territoire na biso tolobi na 5 ans oyo toza na projet ya ABCD ba projet par exemple la kotia courant na kati ya territoire na biso courant zalite toza na bo. Tout ça est défini dans un agenda autorotia liboso nanani ya na mesa ya administrateur de territoire et en lui donnant aussi les moyens parce que toko définir na kati ya ba état de lieu wana ne toko définir bandeko nini yango toza na yango nini yango tokoki kosala po tozwa misolo ya ko réaliser ba biloko wana parce que eloko moko toza nango difficile lelo za ndengeni. Atale lo balobi no ba nomé ba ministre. Nous avons tendance à croire que mututangwaye comme il est spécialiste akosala ba munango akosala kaka ye mutu akosala ye mutu akosala boye sans que ba moyens disponibles à la té. Regardez ce qui se passe à la CENI aujourd'hui.
to crié que wakadima c'est un spécialiste c'est nini tant wakomi wana akomi peko se plaindre à lobby bandeko atana za spécialiste makoki nini ango na ko utiliser pona komi sabino na ba élection nazana makokite mais il ne le disait pas il s'est lutté à lutter qui pour azalaona l'essentiel pour lui c'était d'abord d'être là parce que ba yebi nini ango baza ko préparer. Mais dans la 4ème République, on a espéré qu'on a là. Tant que tu désignes ton lobby, tu as désigné Moutouté avant que ton tien a ni profil administrateur de territoire, n'a pas moyen oyo à Kokozala Nango en disponible pour réaliser ma programme oyo et qu'on a voté dans la 4ème assemblée territoriale. C'est l'assemblée territoriale de Moutouakozala n'a pas. Programme nyoso parce que c'est lui c'est là l'émanation du peuple place wana nde batu oto kotindaka tokotindaka to lobi bokende ko réfléchir likambuni na ngoto okiko sala s'ils sont 27 s'ils sont 28 ils doivent être choisis na kati ya batu o ba vandi na ba territoire batu nini ba vandi na ba territoire ce sont là les groupements na ba secteur batu nini ngo ba vandi na ba secteur eza ba congolais. Qui sont ces Congolais? Ce sont des personnes appartenant à des ethnies ayant des terres. Lorsque la République du Congo accédait à l'indépendance. Donc, ba ethnie, na ba tribu, et toyebi ke ba vanda koto eza mabele na bango, tokoki bango place. Ce sont ces gens-là qui enverront batou na katia territoire, batou na batou. So ki baza 7-8 tribu, ba koyo kanaka. Biloko wana koyoka na mandeye nini? Tangu deja toyebi na kati ya ba territoire na biso toza combien? Nous saurons. Parce que na ba conférence wana, avant qu'on désigne d'abord les administrateurs de territoire, na ba toba ko sala na administration de territoire, il faut que to sala recensement. Première mesure, oyo ba conférence, banani ba état de lieu à ba territoire ko salema, la première des choses, c'est de faire l'identification des gens qui sont dans les territoires. Dès que tu identifies batouana nde to ko choisir si ko selon ba tribu, ba ethnie, que non, ba notable na biso bango oyo, to tindi 5, to tindi 8, to tindi 20. Na kati ya territoire, to ebi ke na kati ya territoire oyo, so ki baza 300 000. La politique na biso tokoloba ke non na 300 000 wana il faut absolument un tiers ya batu basalaka et ke batu wana basalela nini basalela mbula matari c'est-à-dire l'état il y a des administrateurs il y a des docteurs il y a des avocats il y a batu nyoso tout déjà na kati ya territoire nous devons définir ces gens-là tangu tokosuki sa babiloko wana tokomisiko na niveau ya koloba sikoyo ke non to désigner batu. Les gens seront désignés et ils sauront que non. Ba moyen ou pona kosala misala ou ba pesi bango ezali et utakawapi. Parce que nous avons 100 000 personnes qui travaillent et qui récoltent les impôts, ba salakaba, ba kontrolaka ba commerçants, tout ça. Nous saurons que territoire nabiso et pesaka combien. Budgétisation à territoire nabiso eza combien. Et c'est là où nous devons nous savoir que non. So qui n'a tozoaka 3 millions de dollars na kati ya territoire na biso 1 million ezo kende na gouvernement central. Pourquoi na gouvernement central? Parce que il y aura na kati ya ba territoire na biso ba programme susu ya minene o eza géré na gouvernement central. Disons o ya mike ya minene faisa la géré na gouvernement territorial. Et puis provincial, et puis c'est comme ça que je me suis dit, le tiers de notre budget devrait aller dans le gouvernement central. Pourquoi? Parce que Kounande, Tokozala n'a pas député national pour l'unité de notre pays. Voilà. Une idée au Bissot Tozakoloba, il y a gestion. Il y a 145 territoires. Le Congolais doit récupérer le pouvoir. Moutou Oyo a cause à la désigner Ayebi Keno Aza ministre et Amine. Voici ce qu'il va contrôler. Moutou Oyo a cause à la, par exemple, à Kotokoloba Keno. Département Oyo, Eza département à identification. Quels sont les moyens qui sont mis en place?
Exacte que toko tiaba tout ça, que tope sa bango ba moyen. C'est ce qui passe aujourd'hui. Nous pouvons dire que nous avons un gouvernement, mais le gouvernement n'a pas le moyen. Les lois ont été collées là, que non, le gouvernement a un bon côté, un bon à couper sa saignée, exacte. Mais comment est-ce, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour que le gouvernement a un bon? Quel est le travail que le gouvernement fait pour que Aza a un bon? Nous voyons tout ça, mbambongo, ezako yibama, ba projet ezo salemana, niveau gouvernement, ba projet salemana, niveau présidence, tout ça doit être redéfini. Alors, qui peut dire que ngana koya ko kota na système oyo et puis na ko changer ango ezalo kutazo ko sabiso. C'est pour cela, nous sommes dit, pour ne pas aller trop loin, nous sommes dit, likambo a coup d'état ezana ngo Kadik, na Katia République démocratique du Congo. Nous avons déjà goûté à l'alternance du pouvoir civilisé. Attendez, Zala qui est là. Moi, je ne me fie pas à ce qui s'est passé au désignant qui Félix ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, prenons la réalité que Félix a tout le pouvoir en main. Mais c'est maintenant que Félix doit comprendre que non. Pour que je puisse rester dans les annales de l'histoire de ce pays, je dois amener le changement. Et le changement deviendra comment? En redonnant le peuple son pouvoir de gérer ce pays. Et le peuple, c'est qui? Il faudrait que Tshisekedi a appliqué l'Ikambwa Koloba. Peuple Azanani, identifions les Congolais. Et identifier les Congolais dans le même système d'aujourd'hui, ça sera caduque. Nous devons d'abord renvoyer les batu. Le bon chemin, c'est quoi? C'est de dissoudre le Parlement, de rendre caduque cette constitution en promettant, par exemple, à Koloba que non, etikali n'a biso 2 ans, mandat n'anga etikali 2 ans. Mais bah objectif, on a mon nalingi avant mandat n'anga ici là. Il faut que tous à la constitution asika oyo. Peuple congolais qui se retrouve. Toti kanano makambo a koloba. Oh non, ba élection ba nini. Non. Remettons d'abord le Congo ou les Congolais au travail. Ce qui te remettre Congolais au travail, mais il faudrait que ba Congolais ba vanda ba yo kana musala nini ango toko sala. C'est ça que j'appelle les conférences, les états de lieu de territoire. Ba tuana tango ba kozala supprimer, ba kozala. Que ces gens-là doivent être renvoyés dans leur territoire d'origine pour que ba kende ko superviser ba conférence banani ba état de lieu ba territoire na bango, que tout le monde dans son coin ba tuba kende ko yoka na bandeko. Là où nous nous battons au Nord Kivu, que les gens, qu'on appelle tous ces gens de Codeco, on va tout nous surtout, tout vendre ensemble, tout à tout là. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre? Pourquoi est-ce que Batubazo Bomana Awa? Et moi, je suis sûr que les gens sont capables de trouver une solution à Babilo Kouana. Tant que nous allons vendre ensemble, tant que la communauté nous a dit que la tribu combien, pas na nord qui voisin, na la tribu combien, ils ont combien de territoires. Dans chaque territoire, tous les tribus vont se mettre ensemble en disant nous sommes, ça c'est notre terre. Tout ce que nous allons prendre comme décision, il y a sur notre sécurité, sur notre économie, sur notre, ça ne viendra que de nous. Nous devons reconstruire un autre pays. Nous devons changer ça. Nous devons nous remettre à nous-mêmes. Il est grand temps que nous puissions réfléchir comment est-ce que nous devons gérer ce notre pays. Voilà là où je vais m'arrêter aujourd'hui, en espérant que Bozolandangaï, ne quittez pas, abonnez-vous nombreux, parce que tozo avancé malembe. Bozolo kandenge na zako yeb sabino, comment nous allons reconstruire notre pays petit à petit. Et puis clairement, il est grand temps que Tshisekedi aujourd'hui se prenne en charge en disant que non, Bamakambo baza ko le belanga ko changer biso eloko mon côté. Ata nazui mandat mususu, mais ce qui guerre zo continuer na est, qu'est-ce que j'aurais fait? Si le pays
la corruption continue de cette façon, à quoi est-ce que ça se ferait? Mais lorsque je change le paradigme, où je sais que la population va comme un pouvoir, il y a qu'on nomme Moutou, basan à pouvoir, il y a qu'on destitue Moutou, basan à pouvoir, il y a qu'on kanga Moutou. À ce moment-là, j'aurais fait quelque chose. C'est pour cela que je vous demande, vous qui me suivez, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Ça va me faire très plaisir et ça fait grande chose pour notre chaîne. Abonnez-vous ou bien laissez un commentaire. Partagez l'émission parce que Tozolinga, message Oyo, et comme la Batoué Belé, vous voyez comment déjà le message de la gestion des 145 territoires et comme la qui n'a pas trop pouvoir. C'est parti d'ici. C'est parti d'ici. Donc, et les gens qui ont partagé, et comment Kikuna, mais malheureusement, Bato Bazan a pouvoir Bazako Lingako comprendre que non, il est grand temps d'abolir d'abord cette constitution et de recommencer le Congo à nouveau. Au lieu de se dire que non, Tokoyan est état de droit, état de droit, état de droit, Boko Kanga, combien de personnes, 20 000 personnes, et qu'aussi la tête, Ata Botindi Bakuluna Nakasis, Bakuluna Msusu Bazo Botama. Et ça devient d'abord une. Et comme déjà, Nazo de Bordé, comme d'ailleurs, et là, comme on a un jeune garçon, comme on a tout ça qui coule, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a et comme une autre forme, c'est pour cela, abonnez-vous nombreux, pour que tout le monde ait une idée de ce qui est. En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir encore accueilli dans vos maisons, dans vos téléphones. Vous qui aviez voulu, en tout cas, vous aviez décidé d'être des abonnés sur cette chaîne. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.